Bonjour, ici Rika. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rappel, qui est un groupe en non-mixité, meuf cis et transgenre. J'ai fait un premier tuto il y a quelques jours, en fait, il y a 2 jours, je crois. C'était sur mon home studio. Du coup, j'ai fait une vidéo pour montrer à peu près à quoi ressemble le home studio. Voilà. Et j'ai pas parlé de prix. Du coup, je vais vous remonter les différents éléments et le site où je l'ai acheté. C'est sur le site Woodbrass. Du coup, j'ai acheté un pack Scarlett de la marque Foscuright. Du coup, il y avait le micro, le casque, la carte son et les câbles XLR. Du coup, le casque, le micro, encore le casque et les différents éléments. Voilà. En tout, ça fait 209 euros. Puis, j'ai acheté pareil l'enceinte monitoring, la marque Alesis. Ça fait 129 euros. Puis, j'ai acheté le pied du micro et les suspensions. Ça sert à suspendre le micro. Et le cache, j'appelle le cache, mais en fait son vrai nom c'est le filtre anti-pop. J'ai acheté à 14,90 €. Ça sert à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite durant la prise de son. Du coup, j'ai fait un calcul. Au total, le pack ça faisait 209 euros, l'enceinte 129, le pied 29, la suspension 7,70 € et le filtre anti-pop 14,90 €. Le tout faisait 389,60 €, ce qui est super cher, mais voilà, pour s'équiper, c'est tout ce que j'ai trouvé qualité-prix. Sans parler de logiciel de MRO que j'utilise, qui est Fruity Loops FL Studio, qui coûte 189 euros, quasiment 200 euros, quoi. Ouais, et ça c'est la version que j'utilise. Et il y a des versions intermédiaires. En plus c'est la version intermédiaire parce qu'il y a la version de base qui est à 89 euros et ensuite ainsi de suite. La version bundle c'est à 289 et la version la plus chère c'est à 835 euros. Donc voilà, c'est un investissement. Du coup, n'hésitez pas à me tiper parce que j'aimerais bien acheter d'autres matériaux qui pourraient m'aider pour faire des instruments encore plus cool. Voilà. Passez une bonne journée et on se retrouve très vite pour un prochain tuto.